Alors, en guise de prélude, le chef Chabi vous invite dans une immersion entre terre et océan. Ici, vous retrouverez le retour de la criée de Saint-Jean-de-Luz avec ce macaron naturel qui a été cuit à la flamme. Je vous invite à enrober dans une mayonnaise au thym citron et au patchaka. Et ensuite, ici, c'est une tartelette de sardines cuite en escabèche, crème d'anchois, cébette et graines de coriandre. Bonne découverte. Vous me dites si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, ouais. On change. Juste ici, vous avez une émulsion d'aubergine sur un nuage de carré poulet. Et le carré poulet, c'est une herbe aromatique qui sort de l'île Maurice. Et ici, vous avez des billes de foie gras avec anguilles fumées enveloppées dans une jolie sucre muscovado. Alors, pour accompagner votre repas, ici, un petit peu de pain. Vous allez retrouver deux variétés de pain. La première, un pain au levain qui a été réalisé par le fournil de la licorne à Bidart. Le second est un pain qui a été réalisé par Maxime Réfé à Anglette, la boutique Explore. Nous achetons du maïs que nous braisons. Et ensuite, nous le lui donnons pour qu'il nous fasse donc ce pain au piment d'Espelette. Donc, on travaille avec deux boulangers différents. Et nous avons souhaité travailler également avec les compagnons du devoir en Anglette, menuiserie et ébénisterie, qui se sont chargés de réaliser cette sorte de roue à aube pour mettre vraiment en avant le blé, le pain. Juste ici, vous avez terminé votre bête dans les Pyrénées avec un travail autour de la carotte sous différentes textures associées à la baie d'arbousier et vinaigre de sapin. Bonne continuation. Cadet de la Bégude, donc là on est dans la Méditerranée. Sur un rosé, on est sur une grenache, Saint-Saul et Mourvèdre. Jean-Luc Garbage qui nous provient du Gers. Le chef est venu les sublimer avec herbes et fleurs de son jardin que vous retrouvez juste derrière. Vraiment les couleurs basques avec une confiture de piment d'Espelette maison, un pesto de capucine et roquette. Et ici pour terminer, je vais rajouter une eau de tomate élevée à l'huile de thym. Pour cette entrée, on vous invite vraiment à prendre le temps. Chaque bouchée va être unique, ainsi ce que vous allez retrouver dans l'assiette. Vous n'allez pas avoir forcément les mêmes légumes. Bonne continuation. Donc là, on est sur du chardonnay, bien sûr. Donc là, on va avoir ce côté assez rond, assez beurré avec la sauce nature. Et derrière, on va avoir cette belle fraîcheur, c'est aromatique avec la langoustine et puis les légumes du soleil. C'est un plat emblématique de la famille Barbeau, puisqu'il était déjà fait à l'époque par le père Philippe Barbeau. Donc elle va être soufflée et farcie à la langoustine, accompagnée d'une sauce nantua qui est à base de petits légumes. On va retrouver de la tomate, courgette ou encore fenouil. Et sur le côté, pour un petit peu plus de gourmandise, ici, nous allons avoir une fleur de courgette croustillante qui sera accompagnée de tomates confites et de basilic. La dégustation. On est sur Marsanne, Cossane, Vionnier, Renache Bourbelin et Clairette. Donc on est sur un vin assez aromatique, un petit peu fumé. On va voir avec le veau, on va voir ce côté salin également. Et ça, monsieur, du coup, Pessac-Léognan, Château Olivier, en 2015. Donc là, on est sur Sauvignon, Sémillon, Muscadelle. On va te faire passer par ici, là. Sur le barbecue, s'il vous plaît. Table 2 au départ, s'il vous plaît. 40. C'est avec un légumes, c'est avec un mètre de jamais. Ah, oui. Cœur, c'est avec un mètre de bœuf, s'il vous plaît. Et dessus une petite huile de charbon. D'accord. On a pris une huile neuve dans laquelle on a mis du charbon chaud dedans et qui a pris le goût un petit peu de barbecue. Le poisson est là-bas.
Sumac, c'est celui-là, ça ? Bon, alors pour vous, madame, voici le filet mignon de veau haricots, terre et océan grillé au barbecue, accompagné d'anchois en tempura, céleri et herbes potagères, un confit maison et lamelles de figues, avec pour finir un jus de veau vivifié à la livèche. Pour vous, monsieur, c'est le cabillaud de pêche local en cuisson lente qui repose sur une tombée d'épinards relevée d'un beurre aux algues. Condiments, fenouil et huîtres, le tout accompagné d'un jus relevé au pastis et sumac. Je vous invite vivement à goûter un morceau de tuile qui vous fera découvrir les notes citronnées et vinaigrées du sumac, un arbuste originaire de Méditerranée de la même famille que le pistachier, et c'est la baie que nous utilisons. Donc ça, c'est le dessert sur la framboise. Fragilité de la meringue. Pardon ? Fragilité de la meringue. Exactement. Ah, ouais, c'est... Ça m'intéresse d'avoir un autre producteur. Bon, ça, c'est ici, et voilà. Non, j'ai pas. Ok, c'est bon, c'est bien. Votre prénom ? Baptiste. Comment ? Baptiste Déplacé. Ça, c'est un bagnol scrimage. De chez Vial Manière. Et donc là, on est vraiment sur ce côté noir, fraîcheur avec le bagnol. Ça fait un peu chocolaté. Pourquoi ça ? Donc du coup, en fait, on laisse le bouchon. Là, au moins, on ne risque pas d'oxyder, en fait. Là. En fait, c'est une petite aiguille qui est à l'intérieur. Votre dessert autour de la framboise. D'accord. Avec ici des glaçons à la cardamome. Par-dessus, il est venu pour ajouter une extraction de framboise infusée au thé en grès. Pour madame, la deuxième partie du dessert autour des framboises qui nous viennent des Landes. La boîte au naturel, confit en pickles, autour pétales de meringue et toujours ce travail autour de la cardamome et thé Earl Grey. Oui, non, mais Fred, pour vous, monsieur, ce dessert qui vient juste d'arriver, qui va être autour de la mûre sauvage cueillie par notre chef Patrice et ses équipes. Que vous avez retrouvé sous différentes textures associées au sarrasin. Sur une gamelle croustillante et sur le dessus, façon pop-corn, et également avec le géranium rosa, trouvé en sorbet et en écume sur le dessus. Bonne dégustation. Ça fait 100 balles. Donc pour débuter, vous allez retrouver un chou glacé, hibiscus et fraises. Et ici, pour terminer, la tarte autour du chocolat, sarrasin et poivre. Merci, c'est gentil. Bonne fin de repas à vous. Merci.